en bas à droite quand je meurs. D'accord, je regarderai. Bon, on en fait une dernière. Si on la win toujours pas, c'est que je suis mauvais. Voilà. Lombax, je croyais que la radar serait inclus avec la vue de la carte. Oui, puis il y a aussi le watch through walls, tu vois, à travers les murs les ennemis, comme ça, tant qu'à faire. Il y a même aussi le fait que tu puisses appuyer sur Alt F4 pour tuer l'ennemi. Ça marche aussi. Faut pas exagérer non plus. Poupi 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 pou, poupi 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 pou. Ça y est, in game. J'aimerais bien en win ne serait-ce qu'une. Ce serait peut-être pas mal quand même, merde. Du coup, ici j'ai une nouvelle arme qui est... Je sais pas. Ici j'ai pas de nouvelle arme, ici j'ai pas de nouvelle arme. Ici rien, ici rien, ici rien, ici rien. Pourtant il semblait avoir débloqué un truc, mais pourquoi pas. Allez les filles, on y va. T'inquiète, c'est rare de gagner. Bah non, parce qu'avec vu que... Non, non, t'inquiète, c'est rare de gagner. Non, parce que quand je paie, il y a quelqu'un qui gagne en face, donc... Domination. Donc forcément, il y a quelque chose qui devrait se passer mieux que ça, quelque part. Je sais que vous savez vous battre, et savez vous contrôler un territoire. Moi, ah, ah. Vous avez capturé la zone C. Vous avez l'avantage de zone. J'aurais pas dû venir. Double dose. Vous passez en tête. Zone A perdue. Wow! Putain, je t'avais pas vu venir, toi! Zone B capturée. Vous avez l'avantage de zone. C'est exactement pour ça que nous avons des escouades. Ah la vache, il m'a... J'ai cherché et je l'ai pas retrouvé. Wouah, Erfé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, non, mais j'ai l'impression que le netbot, il est un peu décédé, quoi. Zone A capturée. Contrôle total. Vous avez pris toutes les zones. Gardez-les. Oh! Non, je l'ai frappé! Non, je l'ai frappé d'abord. Son animation a commencé après la mienne, mais c'est lui qui me met les points, quoi. Enfin, qui me met un point, carrément. Par contre, ce serait bête de tout perdre. Zone C perdue. Vous avez l'avantage de zone. Zone A perdue. J'ai eu là. On se met d'accord. Putain, j'y comprends que dalle. Plus que 5 minutes. Bon, là on les écrase, hein. Oh non! Merde. Zone C capturée. Vous avez l'avantage de zone. On voit que dalle! Mais tu fais... Ouais, c'est ça, tu te fais bolos par le Nightbot. C'était...
Ah bah voilà, c'est ça, c'est le logique de merde qui t'a valu le kick. Le kick I. Oh putain. Mais ils sont partout. Ils sont partout. Ah, en plus c'est Selendil, le mec qui avait 4 de vie, 4 d'efficacité dans la présente partie, donc le mec est bon en règle générale normalement. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ces munitions. Zone A capturée. Vous avez l'avantage de zone. Zone C perdue. Couché. Nom de Dieu. Zone B capturée. Vous avez l'avantage. Zone A perdue. Voilà, meurs. Voilà. Respecte mon autorité. Merde, à la fin. Ok. Il reste 3 minutes. Par contre, j'aimerais bien que quand je te file un coup de quelque chose, tu meurs. Merci. Votre adversaire a le contrôle total. Pas pour longtemps. Hé hey, oh. Vous avez capturé la zone C. Aïe. Il n'y a pas moyen de baisser le feu. Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que je pourrais, peut-être que je devrais. Je suis déjà à 60, hein. Fallait que ça arrive, fallait que ça arrive. Ah putain. Ah la magie. Zone C perdue. Contrôle total. Récupérez ces zones. Zone A capturée. L'heure. Allez, on y va. Tiens, respecte ma putain d'autorité. Respecte mon autorité, je te dis. Zone C capturée. Vous avez l'avantage. C'est pute. C'est pute. Que nous avons des escouades. Le coup du spawn devant ma gueule, c'est pute. Vous avez un contrôle total des zones. Maintenez la pression. Zone C perdue. Une minute. Putain. Allez, vas-y, recte-le, recte Lulu. Ah merde, il est pas tout seul, Lulu. Ouais. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Zone A perdue. Bon, je comprends pas trop l'effet de cette grenade, ce qui me pète assez les couilles. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas eu le dash. J'ai pas eu le petit coup de dash. C'est dommage. Je sais pas s'ils m'entendent, mais s'ils m'entendent, salut. Zone B perdue. Ah, ils m'entendent. 10 secondes. Ce serait mieux comme ça. Depuis le début, les mecs, je les spam dans l'oreille. Ouais, on a gagné un casque. On a fait une victoire. J'utilise pas assez le jetpack. C'est ça? J'utilise pas assez de jetpack. Ah oui, non, pas assez de jetpack pour ressortir du trou. Je viens de comprendre. Ouais, je suis premier. J'ai la meilleure efficacité de la game.
Cette blague. Cette blague. Ah. 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 D'accord, ok. Ok. Est-ce que Hervé, tu as déjà joué à Diablo, ce genre de choses? Diablo 3, par exemple, récemment. Bon. Oui, alors du coup, est-ce que tu vas me parler des fameux affixes légendaires? Est-ce que c'est ça en fait, est-ce que les exotiques ont les fameux affixes légendaires que l'on retrouve dans Diablo? Est-ce que c'est de ça que tu me parles, grosso modo? Bienvenue sur Nessos. Cette planète est infestée par les Vex. La Légion Rouge y a envoyé des équipes et nous ignorons pourquoi. Failsafe, êtes-vous en ligne? Votre intelligence artificielle préférée est prête, commandant. Je suis connecté au réseau des Vex. Selon leurs données, les cabales ont déclenché une série de séismes au cœur de Nessos. Mais est-ce que ça correspond plus ou moins à ça? Tu sais, le fait que les armes légendaires sur Diablo ont une. Enfin, les équipements légendaires ont un affixe supplémentaire, tout bêtement. Est-ce que ça correspond à ça? Je voulais aussi aller voir au niveau de ma grenade. Non, y'a que ça de bien. Oui, non, mais moi je te parle quand t'as un objet légendaire, tu as. Tu as des capacités particulières louées aux légendaires. Dégage. Voilà. Merde à la fin. Hop, vas-y. Ah non mais là nous aussi on a plus de mage depuis longtemps, on est arrivé en 2.6, on attend la 2.6.1 avec impatience. Hein. Sur Diablo. Surtout qu'apparemment elle va modifier plein de choses dans le jeu et dans l'équilibre des différents sets. Donc oui, pour le coup, j'ai vraiment hâte de l'avoir sous les doigts, mais... Mais ça correspond pas à ce que je te dis. Ce que je te demande, moi, c'est que quand tu touches une arme légendaire, quand tu tombes une arme légendaire, elle a un affixe particulier. Elle a, par exemple, si quand vous portez cette arme, machin, votre bouclier rebondit 3 fois de plus au lieu de 3. Ah non, tu vois le truc. Est-ce que ça correspond à ça, sur les exotiques? Wouh. Bonjour. Voilà. Crac boum hu. D'accord. C'est ça. Bon bah d'accord. OK, c'est ce que je voulais savoir. Merci. C'est ce qui m'intéressait parce que finalement c'est ce qui, entre guillemets, démontre véritablement l'attrait qu'on peut avoir pour une arme exotique. Et elles sont si rares que ça, parce qu'apparemment, je me rappelle avoir entendu des gens se plaindre comme quoi c'était un petit peu compliqué de choper que des. D'avoir tout un stuff d'exotiques. Et là, en fait, les gens sont très contents de voir que dans Destiny 2, il y aura beaucoup d'exotiques qui seront filés via les quêtes. Ou des récompenses. Pour des snipers, vous êtes pas bons les mecs. Hein. Ah putain, ils ont exactement les mêmes mouvements que dans Diablo, que dans Halo quoi. Puis. Alors on m'a dit de viser. L'espèce de petite lampe.
Putain, j'ai pas réussi à toucher la petite lampe à la con. Voilà. Allez, on y va. Ils vont peut-être se réanimer tout seuls comme des grandes, non? Oh, une barrière. Cette planète adore les barrières. Voilà, on dirait que les Vex essaient de contenir la Légion Rouge. Oh! Ils ont d'autres soucis, à savoir vous, gardien. D'accord, c'est vraiment beaucoup plus efficace, effectivement. Hop. Ok, on est bon. On progresse. Je commence à... J'avais aucune idée, d'accord. Non mais je les ai lus, t'inquiète pas hein. D'accord, les exotiques ont le l'affixe du légendaire et d'accord, ok. Regardez tout. D'accord, bon, bah écoute, on va essayer de choper plein d'exotiques quand le jeu sortira alors. Pour empêcher une invasion cabale. La survie est un état passager pour nous tous. Dégage. Oh mais où? Pourquoi tu tires? Alors normalement en bas il y a des... La déception d'un homme. Ah bah oui, mais fallait pas mourir là, hein. Bon, du coup, je les ai guaqués les deux autres trous du cul. Vous pouvez pas monter? Vous avez l'air de deux gros abrutis? Il y a une espèce de bruit de rebondissement de... Merde. Ça fait mal. Voilà. Bonjour monsieur. Oula, on a glissé. Ça va mieux. Ok. On est bon. Non, j'ai pas trop le temps de regarder d'autres youtubeurs en fait, c'est ça le truc hein. Et souvent le truc que je regarde ne sont pas en rapport avec les jeux vidéo parce que j'en ai tellement à faire dans la journée que j'ai un peu de mal à la fin d'avoir à regarder toujours du contenu comme ça. Du coup je regarde du contenu plutôt qui me détend. Mais du coup je regarde pas, enfin pas si souvent que ça le Lennon. Je dois mal admettre. Même si c'est quelqu'un qui... Bah faut l'admettre, c'est quelqu'un qui a très très bien réussi sur YouTube et... Je serais très très heureux de pouvoir le rencontrer un jour parce que c'est vraiment à mon avis une personne qui... Qui doit avoir de sacrées expériences dans tous les domaines... De la vie malheureusement, je pense. C'est ce que j'en ai déduit assez rapidement hein, mais après je me trompe peut-être complètement aussi. Allez, allez, allez. Ah non, dommage. Ah, je me suis vendu du rêve tout seul. Non, tu te casses, toi. Qui
quelque chose qui me tire dessus, mais je sais pas quoi. Ça me pète véritablement les couilles. Allez, on progresse. Je vois. Hop. Des munitions. J'en connais. Alors, de mémoire, je les connais pas toutes. Il y a les humains, les éveillés. C'est les seuls qui me reviennent en tête en termes de nom, mais je vois leur tronche, c'est ça le pire. Enfin bref, il y en a plein. J'en ai connu un paquet, il fut un temps quand j'ai appris le truc, mais c'est vrai que je me suis tellement bourré le crâne avec l'histoire que du coup j'ai petit à petit oublié les différentes... Oh! Vous savez quoi? Allons-y. Oh, je crois que mon... Recule! Ok. On va avoir plus de munitions vertes. On va plutôt utiliser les munitions vertes. Eh bien, rentre dans les flammes. Ok. Parfait. Ah oui, non mais il respecte personne, rien ni personne. Sont chiants avec leur bouclier. Ouh, ouh. Allez, allez. Oh, quel dommage, j'étais pas là. Bah. On a dû laisser un truc, hein. Ah. Effectivement. Elle te fait mal ? Ah merde, j'ai plus de munitions, mais putain il fait pas tant de dégâts que ça en fait. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Voilà, excusez-moi, c'est la violence. Mais je peux plus les lire parce qu'ils ont été supprimés en fait, c'est ça le truc. Je ne peux plus les lire, ils ont été supprimés par le bot. Mais je les ai lus, hein. Attends. Je les ai lus, t'inquiète pas, hein. Je les ai lus. Aïe. Même pas moi.
Taïo! Ah, j'ai pas ma greu! En soi, c'est peut-être pas plus mal! D'accord, il y a des munitions ici. J'arrive pas à les choper. Merci d'avoir sauté! Il y avait trop de monde. Il y avait beaucoup trop de monde. What? On est tous morts. On est tous morts et les mecs avec qui je suis ne branlent rien. Cool. C'est la fête. Mais putain, mais lisez les objectifs, bande de nazes. Merci. Oh là là. Grenier. Moi je bourre, moi monsieur! Voilà! What a... Ok. Je crois qu'ils veulent récupérer leur fameuse. Tu crois? Wouhou! J'ai glitché le jeu! J'ai glitché le jeu, ça y est! Ils peuvent pas m'atteindre ici. T'as l'air con, hein. T'as l'air complètement con. J'espère que ça n'est pas trop dangereux. Contrairement aux cabanes, nous devons réussir notre atterrissage. Ok, on est bon. Excusez-moi. Non, ça me dérange pas que tu viennes farmer avec moi, t'inquiète pas, hein. Le jeu est fait pour être joué à plusieurs, donc on y jouera nous aussi à plusieurs. Wouhou. Eh oui. Combien vont mourir? Oh, tristesse. Oh, tristesse. Ouh. Il a explosé aussi? Oula! Ah oui, on a les snipes. Ok. C'est bon. Je commence à connaître le niveau à force, hein. Que ce soit bien clair, je commence à faire le niveau. A plus, Lombax! Merde, il y a Airfé qui vient de perdre son copain. Pah! Les mecs. Les mecs, vous êtes pas doués. Je vais être honnête. J'aime pas ça du tout. Aïe.
Voilà. Bon, ça c'est fait. Appelé. Oh, ça va là. Crac, on va attendre les copains. Alors comme je t'ai dit, je regarde pas vraiment Bob Lennon en fait. Je l'ai regardé longtemps avant, comme beaucoup de monde. Et puis en fait là, depuis la chaîne, j'ai de moins en moins de temps pour regarder le Lennon. Du coup, bah, je fais comme je peux. Mais alors oui, il y a beaucoup d'expressions, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que ce que tout le monde dit, ah, tu fais beaucoup les expressions de Bob Lennon, mais en fait, ça revient plutôt à toute une génération qui ont les mêmes. Regardez à peu près toutes les personnes qui ont notre âge, à Lennon et à moi. On a tous plus ou moins les mêmes expressions, hein, parce qu'on a eu des expressions marquantes à cause de la culture populaire, de notre éducation, entre guillemets, si je puis dire, pendant notre jeunesse. Donc on a plus ou moins... On a plus ou moins tous les mêmes... Nous l'avons trouvé. Un gros Vex avec des armes géantes. Bonne chasse, gardien. Bonne chasse. Mon cul. Hop. Il est solide celui-là. Il emporte le sol avec lui. Hop. Pas le moment. Je change d'arme primaire, passer sur ça. Change d'énergie, attention. Oh. Dernier joueur en vue, il va falloir qu'il repop, hein. Vous pouvez vous ramener vous-même ou... Vous savez quoi? Fuck it! J'ai l'impression de tout faire dans la game. J'attends qu'il fasse pop ses alliés là pour balancer ma grenade. Plus de balles de ça. Ok. Oh, joli tir.
Vais-je enfin réussir à en faire une où je ne vais pas mourir? Est-ce que je le touche seulement là ou... Putain, j'ai dit que j'allais pas mourir. Mais... Ça va finir par arriver, ouais. Allez. Allez! C'est bon. Munitions. Ouh, ça fait du bien en termes de munitions. Cool. Ça va là, l'esprit modulaire. Et j'ai gagné un torse et une arme puissante. Ceci, que j'avais déjà. Mais nous avons gagné un torse. Bien joué. Un torse très très bien. Safe. Quelle est votre analyse de la situation? Les enregistrements Vex indiquent que les cabales ont découvert l'esprit. Je peux changer la couleur, s'il vous plaît. Pour le capturer. Si la Légion Rouge avait atteint son objectif, j'estime à 60% la probabilité de destruction de ce planétoïde dans la bataille. Je peux pas changer la couleur. Heureusement, notre capitaine était là. Ça va pas, il me tire dessus. Voilà, c'est moi qui ai tout fait. Faut le dire. In extremis, c'est quoi? Je sais pas. C'était, j'imagine, entre le moment où t'es sur le point de mourir. Bon! Je sais pas, ce serait de l'azote liquide, parce que dans l'azote liquide, normalement, il n'y a rien qui peut se mouvoir. Le zéro absolu gèle complètement la masse moléculaire des objets, donc... ou presque, donc c'est pratiquement impossible. En tout cas, dans ce qu'on connaît de nous. Mais bon, je sais pas. Du coup, moi, je vais vous laisser là, les gens. Il est déjà 16h30, pratiquement. Je vais aller au goûter et je vous retrouve peut-être ce soir, je sais pas. Ou en tout cas, demain, pour un autre live sur Destiny. On va continuer un petit peu à bourrer cette truc. Mais je les ai lus, tes messages. Je sais pas s'ils ont réduit, mais on verra bien. Moi, je vous laisse là et je vous retrouve, donc, potentiellement demain pour un autre live sur Destiny. On va continuer à bourrer toute la bêta, voir tous les objets qu'on peut tomber et voir si ça peut être intéressant ou pas sur le long terme. Voilà. Salut les gens! Et moi, je coupe tout enregistrement et croc streaming.